une prise de parole nécessaire. Alice Dettolenaar n'a jamais voulu cacher son cancer du sein. Pas question que cette épreuve qu'elle traverse devienne un tabou. Au contraire, elle tient à sensibiliser et aussi sans doute rassurer les femmes qui vivent la même chose qu'elle. Ainsi, dès le 8 janvier 2020, elle révélait sur son compte Instagram s'être fait retirer son sein malade. Depuis, la chérie de Camille Lacourt poursuit son combat pour la vie mais aussi pour la médiatisation de ce cancer. En mars dernier, elle revenait donc longuement sur l'ablation préventive de son deuxième sein. Étant porteuse d'un gène altéré pouvant accroître le risque de récidive, Alice Dettolenaar a en effet choisi de se faire enlever son deuxième sein. Consciente que ce que l'on ne connaît pas nous fait peur, la sublime jeune femme a décidé de prendre longuement la parole au cours d'une vidéo publiée sur Instagram ce dimanche 14 août afin d'expliquer clairement quelles sont les conséquences de ces mastectomies, tant physiquement que sur le ressenti. La maman de Marius évoque dans un premier temps un changement de sensation. Il y a une perte de sensibilité qui est irréversible, confirme-t-elle, avant d'assurer, ce n'est pas grave, il faut que ça reste secondaire, même si les premiers jours, on a l'impression qu'on ne va jamais s'y faire. Ne vous en faites pas, on s'adapte hyper rapidement. D'ailleurs, les femmes ont la capacité à s'adapter à tous les changements. Il en va de même pour les différents mouvements qui sont modifiés. Alice Dettolenaar, on ne se résume pas à une paire de seins. Tout ce qui sollicite les muscles pectoraux, ça devient un peu plus compliqué et un peu plus gênant, puisque la prothèse repose directement sur le muscle, déplore Alice Dettolenaar. Néanmoins, on modifie nos mouvements sans même s'en rendre compte, affirme l'intéressé. Entre deux conseils pour protéger sa peau, Alice Dettolenaar tient à aborder une question cruciale puisque celle que tout le monde attend, quid de l'esthétique? Il y a des vagues de la prothèse visibles à travers la peau, confirme la belle-mère de Jazz. Mais là encore, il est possible d'y remédier. Il y a des opérations d'amélioration esthétique qui sont possibles par injection de graisse, par exemple. Vous devez en parler avec votre chirurgien puisque chaque cas est différent, conseille-t-elle. Surtout, Alice Dettolenaar rappelle que malgré le fait que la féminité en prend un coup, on ne se résume pas à une paire de seins. Un message qui fait du bien.